d'équilibre et de coordination. GoldenEye. GoldenEye, bonne réponse. Il reste 10 secondes pour trouver le sixième extrait et gagner la finale. Sonia, allez, on y va. La 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 la. Pas sûr, je vais dire Zouké, Zouké. Je sais pas. Ça fait deux fois que vous nous le manquez. Jamais 203. Mais c'est marrant en plus. Quand je vais vous donner le titre, Zouk là. Oh, bah oui. Alors. Et pas Zouké, Zouké. Ah, oui. Zouk là, c'est Saint Médicament Nouni. Oui, bah c'est pas les médicaments Nouni, maintenant c'est les cadeaux qu'on va donner à Sonia. Regardez, ils sont partis. Le Futuroscope vous invite à découvrir ses nouveautés 98 et vous offre un séjour pour 4, comprenant 2 jours de visite et la nuit en hôtel 2 étoiles. Sonia, rapidement, on se quitte. Je vous donne rendez-vous demain soir. Merci de votre fidélité à France 3. 20h06, nous serons là, la foule, pour finir avec Valérie. Bonne soirée. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Puis soudain, je me retourne, ils se reculent. Et la foule m'a mieux jeté entre ses bras. Facile à chanter, c'est facile à jouer avec Télé 7 jours. Tout le sport, votre quotidien sportif, tout en images, tout de suite sur France 3. Faut que tu lui dises qu'on ne boit pas de Salvetta pendant la sieste. Salvetta, elle nous en fait des choses avec ses bulles. Hé, hey, petit, tu pourrais pas nous en donner un peu? Canal Satellite, c'est 100 chaînes et services d'exception. Le meilleur de la découverte, avec en exclusivité satellite, planète et voyage. Vivez votre passion du sport avec AB Sport, Eurosport, tous les matchs de la Coupe du Monde. Et à la carte, la F1 sur 7 canaux. Riez aux éclats avec la chaîne Comédie. Et frissonnez avec 13e rue. Éveillez et amusez vos enfants avec la magie de Disney Channel. Et Canal J, bien sûr. Offrez-vous aussi le meilleur du cinéma. Avec chaque jour 20 grands films sur 4 chaînes cinéma. Et les films récents à la carte. En ce moment, offre spéciale, Canal Satellite est à 110 francs par mois. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Les gastronomes savent ce qu'ils veulent. Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. Kiri, Kiri, Kiri. Écoutez tous, des météorites énormes vont tomber du ciel. Les failles s'en vont, s'ouvriront sous nos pieds, pas nous en douter. Et les hommes égarés devront errer sans fin sur les routes. And I think to myself... Nouvelle Golf. Après tout, on ne sait jamais. Nouvelle Golf à partir de 87 800 francs.
faut le savoir. Savourer un café Lavazza vous fera oublier tout le reste. Plus rien d'autre ne compte que votre plaisir. Lavazza, très riche en plaisir. Lavazza, le café officiel de la Coupe du Monde. Il y a de la vie sur les murs. Chelsea-Stuttgart, pour la finale de la Coupe des Coupes, deux des meilleures équipes européennes s'affrontent ce soir en direct sur France 3. Football anglais contre football allemand. À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, dernière répétition tactique et stratégique. Dans l'effervescence du mondial, finale de la Coupe des Coupes, Chelsea-Stuttgart, ce soir à 20h40, en direct sur France 3. Tout le sport avec Décathlon, à fond la forme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Grande soirée football sur la 3. Dans une dizaine de minutes, nous suivrons ensemble la finale de la Coupe des Coupes qui va opposer, je vous le rappelle, Chelsea à Stuttgart. Les commentaires seront assurés en direct de Stockholm par Patrick Montel et Franck Sauzet. Avant cela, voici un bref résumé de l'actualité sportive. On va commencer par le tennis. À Berlin, Marie Pierce a dû abandonner malheureusement sur blessure face à l'Autrichienne Barbara Paulus. À Rome, triste journée également pour les couleurs françaises. Cédric Barato. Il n'y a plus de tennisman français au tournoi de Rome, restent les favoris. Pete Sampras a eu quelques difficultés pour battre Magnus Norman, le jeune Suédois tombeur du numéro 1 mondial l'an passé à Roland-Garros. Ici, le suspense aura duré un set, victoire de l'Américain en un peu plus de 2 heures, 7-6, 6-4. Le tenant du titre, Marcelo Ríos, a été plus rapide pour s'imposer à Tim Henman. Le Chilien bat l'Anglais en 1 heure, 6-3, 6-1. Deuxième étape du Tour des Asturies en Espagne, arrivée groupée et victoire au sprint du Canadien Gordon Fraser, Laurent Jalabert conserve la première place au général. Demi-finale allée du championnat de France de basket. Hier soir dans leur salle, les Villeurbanais en blanc ont battu Limoges 63 à 55. Pau Orthez a nettement dominé Cholet 90 à 74. Match au retour samedi prochain. Et tout de suite, des nouvelles du rallye de l'Atlas. Aujourd'hui à Erfurt, c'est dans le désert. Victoire de l'Espagnol Romain sur KTM. Il prend la tête du général devant le Français Richard Sinkt. Côté auto maintenant, victoire de Jean-Louis Schlesser devant Shinozuka et Lartigue. Pas de changement côté auto, alors qu'on voit Schlesser au classement général. Lartigue est en troisième position et Schlesser est toujours en tête de l'épreuve. Et ça va vite. Dans quelques instants, le football et la finale de la Coupe des Coupes. Stuttgart affronte Chelsea. Le match déroule à Stockholm. A tout de suite sur la 3. Merci d'être avec nous. C'était tout le sport avec Décathlon. À fond la forme. Chelsea, Stuttgart. Finale de la Coupe des Coupes, tout de suite sur France 3. Le veau de la Pentecôte, c'est maintenant ou c'est maintenant ? Peugeot Expert, Boxer, Partner, la nouvelle génération d'utilitaires, on ne devrait travailler qu'avec eux. Le veau de la Pentecôte, c'est maintenant ou c'est maintenant ?
Nouvelle Audi A6. Les apparences sont faites pour être dépassées. Jeudi soir, envoyé spécial. Après le gong des postiches et la prison, la musique. Portrait d'un tôlard devenu rocker qui fait swinguer sa réinsertion. Ils reproduisent à l'identique les chefs-d'œuvre des plus grands peintres. Radiographie d'un marché florissant, celui des faussaires. Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 96, rencontre avec Pascal Duquesne, un comédien pas comme les autres. Envoyé spécial, un magazine de la rédaction, présenté par Paul Naon et Bernard Benyamin, jeudi soir sur France 2. Châteaux et hôtels indépendants, des hôtels de rêve. On y est bien reçu, la table est bonne, et pour le prix, ne vous en faites pas. Pour découvrir les châteaux et hôtels indépendants, suivez le guide. Celui avec l'armure. Pour obtenir le guide des châteaux et hôtels indépendants, appelez vite au 0 803 02 6000. Je devais partir, finalement je reste. Au Crédit Foncier avec Synchroneuf, on ne commence à rembourser sa maison que lorsqu'on peut l'habiter. Crédit Foncier, ne choisissez pas entre vivre et rembourser. Exclusivité Chris. Chris, tous les yeux ont droit au progrès. Claudia Schiffer va vous démontrer la différence entre faire la publicité d'une voiture et avoir confiance en une voiture. En mai, Xara à partir de 75 900 francs. J'avais 16 ans quand la France a gagné l'euro à Paris. J'ai marqué tous les buts. J'ai réussi tous les tacles. Je suis monté sur tous les centres. Et quand je vous mettais à côté, je me prenais la tête entre les mains. Mais le moment le plus fort, c'est quand j'ai brandi la coupe pour la montrer au public du parc. Je veux revivre cette émotion. Et pourquoi tu t'en vas? Bah pour aller présenter le film de France 3, quelle question. Avec Télé Z. Tu es cocu? C'est un mot rigolo, ça. C'est pour les riches. Moi, si ça m'arrivait, je serais pas cocu. Je serais malheureux. Tu comprends, c'est pas la même chose. Ah, mais... Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner la pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit... La femme du boulanger, demain à 20h50 sur France 3. Ah, c'est pas ma femme qui s'envolerait avec un berger. Elle est pas si bête, hein? Et les bergers qui sont pas si bêtes. France 3 vous présente la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe avec Nissan, partenaire officiel.
Bonsoir à tous les amateurs de football qui nous rejoignent en direct sur la 3. Dans quelques instants, nous allons donc suivre la finale de la Coupe des Coupes qui va opposer les Anglais de Chelsea aux Allemands de Stuttgart. Une finale attendue entre deux clubs qui courent depuis longtemps après la consécration européenne. Pour se qualifier, regardez bien, Chelsea s'est débarrassé notamment du Betis Séville et du club italien de Vicence. Stuttgart a battu successivement le Slavia de Prague et surtout Lokomotiv Moscou. Le match se déroule au Rasunda Stadium de Stockholm. C'est là que nous retrouvons tout de suite nos envoyés spéciaux. Patrick Montel et Franck Sauzet, c'est à vous. Oui, bonsoir Henri, bonsoir tout le monde et bienvenue donc ici au Rasunda Stadium de Stockholm. Un stade à l'anglaise, je dirais, avec un petit côté folklorique en ce qui concerne la construction des tribunes. Non pas celles que vous voyez là, mais les tribunes latérales. Là, nous sommes sur la tribune présidentielle et on va assister effectivement, je crois Henri, à une très très belle rencontre, une nouvelle rencontre, la huitième dans l'histoire de toutes les Coupes d'Europe entre un club anglais et un club allemand. Et pour l'instant, au score, si l'on peut dire, eh bien, ce sont les Anglais qui mènent par 5 victoires.